Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique poncho ou cape au crochet. Il est très facile à faire, rien de compliqué. On va répéter 4 tours en permanence, tout simplement. On va les travailler en bride, en relief par l'arrière. Mais si vous préférez, comme je vous l'explique dans le tuto, vous pouvez le travailler simplement en bride normale. C'est à vous de voir, moi c'était juste pour ce joli relief que ça donne. D'ailleurs, je l'ai travaillé avec ce magnifique coloris de Katia. Là, je m'en lasse plus parce que les couleurs sont tellement belles et différentes. Ça fait un résultat tellement merveilleux que là, je suis accro. Donc, ça vous donne vraiment quelque chose de magnifique. Alors, le mien fait exactement, donc ici, en partant de là jusqu'à la pointe, 45 cm. Vous pouvez en faire un poncho beaucoup plus grand. Moi personnellement, j'ai voulu faire cette taille-là. Vous pouvez faire quelque chose de plus grand, c'est à vous de voir. Pour ce modèle-là, donc, je vais vous présenter la pelote avec laquelle j'ai travaillé. J'ai eu besoin d'une pelote et demie. Donc une pelote complète de Katia plus la moitié d'une autre. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand, il faudra facilement compter 3 pelotes de cette laine-là. Ici au centre, on aura les augmentations et à l'arrière, et les augmentations également à l'arrière, donc aux deux pointes. Vous pouvez la porter de cette façon-là, en forme de poncho, ou vous pouvez la porter de cette façon-là, en forme de cape. Ce qui est super joli également, c'est un super résultat, un rendu vraiment impressionnant. Donc c'est à vous de voir de quelle façon vous désirez la porter. Là également vu de l'arrière en forme de cape, ce qui est vraiment magnifique. Donc voilà, voilà ce que je vais vous montrer Alors, aujourd'hui. pour réaliser ce magnifique poncho au crochet, personnellement, j'ai encore craqué pour du Katia. Donc, c'est du Katia Pink, je ne sais pas si je dis correctement, avec ces magnifiques couleurs dégradées. Donc, ça m'a bien, ça m'a tapé dans l'œil. Donc, personnellement, c'est ce que je vais prendre parce qu'une pelote. Alors, ici, vous avez déjà, pour celles qui seraient intéressées par les mêmes couleurs, la couleur 61. Une pelote à 150 grammes pour 540 mètres. Donc il y a de quoi faire avec ça. Et je vais également crocheter donc avec le crochet Katia numéro 5. Alors avant de démarrer le tuto, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes en fonction de l'endroit où vous désirez qu'il se pose, que se pose votre poncho, tout simplement. Donc il faut déjà que ce soit plus grand que le diamètre de la tête, ce qui est assez logique. Ensuite, si vous voulez que votre poncho tombe plus vers les épaules, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fait vers les épaules. Ou si vous voulez qu'il reste plus près du cou, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui reste plus près du cou. La seule chose, quand vous avez commencé à faire le nombre vos mailles chaînettes, c'est que comptez-les bien. Parce qu'il doit y avoir, pour réaliser ce poncho, il faut un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 30. Donc vous devez faire par 30. 30, 30, 30 et ainsi de suite. Comptez-les bien parce qu'il nous faut un multiple de 30 pour réaliser ce poncho. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, comme je vous ai dit, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures et qui soit multiple de 30. Donc moi là, je vais faire mes mailles chaînettes. On se retrouve. Alors moi personnellement, donc avec cette laine et ce crochet, j'ai fait exactement 120 mailles chaînettes. Maintenant, on va fermer avec une maille coulée. On met bien nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous. Bien à l'endroit, pas que ça soit tordu. Là. On va entrer dans la première maille chaînette de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Ça nous donne un grand cercle. Pour le premier tour, on va simplement faire une maille en l'air. On va faire un jeté. On va travailler tout le premier tour en demi-bride. Donc vous faites un jeté. On va dans la maille suivante. Donc
On va prendre le fil qui se trouve que sur le bas. Au lieu de rentrer dans le fil du haut, on va rentrer dans celui du bas. Donc vous rentrez bien dans votre fil du bas. On rentre, on ramène. On a trois fils sur le crochet. On fait un jeté à travers les trois. On a fait notre première demi-bride. Personnellement, j'ai juste marqué la première demi-bride parce que j'ai souvent de la peine à la reconnaître quand j'arrive à la fin. Un jeté, maille suivante. On fait notre deuxième demi-bride. Vous allez pour tout ce tour faire une demi-bride dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, si on avait, comme moi j'avais 120 mailles chaînettes, à la fin je dois avoir 120 demi-brides. Alors je laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. On se retrouve après. Alors quand vous avez fait tout votre premier tour en demi-bride, avant de fermer, assurez-vous de ne pas avoir tordu les mailles quand on les a travaillées. Être sûr, c'est bien droit. On va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Alors maintenant, pour le premier tour, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Ensuite, on va passer 1, 2, on va dans la troisième maille. Donc on passe une maille, deux mailles, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 5 mailles de séparation. Donc 2, 3, 4, 5. On va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3. Dans la quatrième maille serrée. Ce qu'on vient de faire là, ça va être le motif à répétition. On va faire, une fois, on va faire 8 mailles chaînettes, 8 mailles en l'air. On va passer 2 mailles. À la troisième, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire à 3 reprises, 5 mailles en l'air, on passe 3 mailles. À la quatrième, on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air, on passe 3. À la 4, on fait maille serrée. 5 mailles en l'air, on passe 3. À la 4, on fait maille serrée. Donc maintenant, on va reprendre les 8 mailles. 1, 2. 5, 6, 7, 8. Donc on aura fait 8. Quand on fait les 8, on passe que 2 mailles. Donc on passe 1, 2, on va dans la 3, maille serrée. De nouveau maintenant qu'on a fait les 8, on va refaire 3 fois celle de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quand on fait les 5, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Maille serrée, on recommence 5, 1, 2, 3, 4, 5, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4, maille serrée. Donc on a refait de nouveau les 8 mailles et 3 fois avec 5 mailles de séparation. Donc maintenant, on va refaire de nouveau les 8 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on fait 8, on va passer que 2. Donc on passe 1, 2, on va dans la 3. Alors ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc, quand vous avez fait tout le tour, donc ici, personnellement, je viens de faire mes 5 dernières mailles de séparation. Donc, 1, 2, 3, je passe 3, je vais dans la 4. Je fais une maille serrée. Alors maintenant, comme on n'a pas forcément fait les mêmes dimensions, on va positionner bien face à face. J'ai essayé de lever un petit peu pour bien vous montrer. Donc ici, c'est la première qu'on avait faite avec le 8 mailles de séparation. Celle-là, on va juste en dessous, on va juste mettre un repère, ce sera un des angles de notre poncho. Ensuite, donc, je regarde qu'ici, j'ai une de 8 en face.
Une de 8, une de 8 en face. Une de 8, une de 8 en face. Et là, donc, il me reste plus qu'une seule de 8. Donc, qui correspond à l'opposé de celle qu'on vient de faire. Donc, c'est ce que vous devez faire également avec les vôtres. Et marquez également celui-là. Juste pour démarrer, parce qu'ensuite, on pourra se débarrasser des petits repères. Donc, si on regarde bien, ils sont bien face à face. J'ai bien la même quantité de chaque côté. Là, j'ai une maille chaînette de 8 et l'autre juste devant. Donc, dès que vous avez fait vos repères, on va faire. Pour démarrer chaque tour, on va devoir démarrer dans le centre de ce cercle. Pour ça, on va tourner. Là, on va avancer en maille coulée. Donc, on a fait 5 mailles de séparation. On va avancer en maille coulée jusqu'au centre. Et une dans la troisième. Donc, j'ai fait 3 mailles coulées pour démarrer de là. À ce stade, à nouveau, on retourne notre travail parce qu'on va travailler dans le bon sens de nouveau. Donc, maintenant, ici où on a mis le repère et de l'autre côté où on a mis le repère, à l'intérieur ici des 8, l'espace des 8 et à l'intérieur ici de l'espace des 8, on va faire un jeté et on va faire 20 brides à l'intérieur. Une. 2, 3, 4. Je vous laisse donc faire vos 20 brides à l'intérieur. Donc, quand vous avez fait vos 20 brides à l'intérieur, on va directement dans notre prochain espace, devant, avec une maille serrée. Maintenant, pour passer à l'autre espace, on va faire 5 mailles. On va donc dans notre prochain espace devant, maille serrée. 5 mailles de séparation à nouveau. Prochain espace devant, maille serrée également. Au tour d'avant, on avait 3 espaces. 1, 2, 3. À ce tour-là, on en a 2. Alors maintenant aussi, c'est que dans les espaces des 8 mailles en l'air qu'on a, on va faire 10 brides. Les 20, on les fait que là où on a mis les repères. Donc là où il y a les repères, dans le cercle des 8 mailles de séparation, on va faire 20 brides. Et dans les autres 8 mailles de séparation, on va en faire 10. Donc un jeté directement dans l'espace. Et là, on fait 10 brides à l'intérieur. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va directement dans l'espace devant avec une maille serrée. De nouveau, pour passer entre chaque petit espace, on va faire 5 mailles de séparation. Cinq. Espace suivant, maille serrée. De nouveau, 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Donc, on a de nouveau 2 petits cercles au lieu de 3. De nouveau, on a l'espace avec les 8 mailles de séparation. Là, de nouveau à l'intérieur, on va refaire 10 brides. Pardon. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, 9, 10. De nouveau dans l'espace qui se trouve devant, on va directement avec une maille serrée. Maintenant, vous allez refaire les 5 mailles de séparation.
Dans l'espace devant, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace devant, maille serrée. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez reproduire jusqu'au moment où vous allez arriver ici de nouveau au repère. Quand vous êtes à ce repère, ici, vous allez faire 20 brides à l'intérieur pour faire comme de l'autre côté à l'opposé. Ensuite, vous allez maintenir vos 5 mailles de séparation et les mailles serrées. Et à chaque fois qu'on sera dans l'espace des 8 mailles en l'air, on fera que 10 brides dans chaque. Alors quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, donc je vous montre, on a 1 de 20 brides. Ensuite, moi ici, j'ai 3 de chaque côté. Peut-être que vous en avez 4 de chaque côté. Ça, c'est en fonction du nombre de mailles que vous avez fait. Il y en a un autre de 20 ici au centre, les deux pointes de notre poncho. Pour terminer, donc j'ai fait mes 5 dernières mailles de séparation. Et là, on va simplement entrer ici dans la maille du centre. Donc on rentre bien dans la maille du centre. Et on va fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va de nouveau tourner notre travail puisqu'on va démarrer du centre de cet espace là. On va tourner notre travail. On va de nouveau ici avancer avec des mailles coulées. Une. Deux. On tourne à nouveau notre travail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un jeté. On va travailler une bride dans chaque bride, sauf qu'au lieu de les travailler normal, donc de cette façon-là, on va les travailler en relief par l'arrière. Ça veut dire qu'on rentre avant la bride, on passe devant la bride. Là, on est sorti derrière, on ramène notre fil à l'arrière, et là, on fait notre bride. Un jeté, bride suivante, on rentre. En passant dans l'espace qui sépare la bride qu'on veut travailler, on passe devant notre bride. De nouveau. Donc un jeté. On rentre dans l'espace en passant par derrière notre bride, on passe devant la bride. On ressort de l'autre côté. On ramène le fil à l'arrière, un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. On va faire ce même procédé sur toutes nos brides. Donc là, on en a 20, on va le faire sur nos 20 brides. Un jeté, on rentre dans l'espace en passant par derrière, on ressort devant la bride, on passe devant la bride. J'ai pas fait le jeté, ça marchait pas. Donc ça, vous allez le faire sur les 20 brides que nous avons ici. Après avoir travaillé vos 20 brides en relief par l'arrière, ça vous donne ça. C'est vraiment juste pour faire un joli relief, mais vous pouvez travailler vos brides normalement, donc faire une bride dans chaque bride, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas le relief, il n'est pas obligatoire. On peut très bien l'adapter. Ensuite, on va aller directement dans l'espace devant avec une maille serrée. Vous avez compris que pour passer dans l'autre espace, on va faire 5 mailles de séparation. Donc on va dans l'espace suivant, une maille serrée. Là on a nos 10 brides. Sur chaque groupe de brides, on va faire un jeté. On va faire exactement la même chose, on rentre. Donc au lieu de la travailler de cette façon-là, comme on le fait d'habitude, vous pouvez très bien le faire de cette façon-là. Au lieu de le faire bride sur bride normale, pour donner ce joli relief, on va donc faire un jeté. On a ici notre première bride. On rentre en passant par derrière dans l'espace avant.
On passe devant notre bride et on sort de l'autre côté. On ramène notre fil et là, on fait notre bride. Un jeté. Bride suivante, donc on passe bien avant notre bride. Et on fait la bride. Faut juste faire attention, c'est à bien travailler toutes les brides. On en aura besoin. Et donc la dernière. Mais je vais quand même vérifier que j'ai bien fait mes 10 brides. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc j'ai bien fait mes 10 brides. De nouveau, on va dans l'espace suivant avec une maille serrée. Pour passer de l'autre côté, on fait 5 mailles de séparation. Là, pour passer dans l'autre espace. Donc ici, on avait commencé avec 3 espaces. On s'est retrouvé avec 2. Maintenant, on se retrouve avec un seul. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Un jeté. On va travailler nos brides en relief par l'arrière. Toutes nos brides, on va les travailler en relief par l'arrière. Si d'un coup, vous ne savez plus où vous en êtes, quand on tire un petit peu ici sur nos brides, on voit le fil qui se trouve juste là. Ça veut dire que cette maille-là a déjà été travaillée. Donc comme ça, on se perd un petit peu moins, parce que parfois, ce n'est pas évident de savoir laquelle on a travaillé ou pas. Donc là, j'ai refait mes 10 brides en relief par l'arrière. De nouveau, dans l'espace devant, je refais une maille serrée. De nouveau, mes 5 mailles de séparation. 3, 4... 5 mailles serrées dans l'espace devant. On se retrouve de nouveau devant nos brides. De nouveau, on va les travailler en relief par l'arrière. Ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour, rien d'autre. Vous allez travailler donc ici, devant, on va faire notre maille serrée, nos 5 mailles de séparation, la maille serrée dans l'espace suivant. Là, on arrive à nos 20 brides. À ce stade, on peut pratiquement enlever le repère. Dans les 20 brides, les 10 ou les 20, on va simplement travailler les brides en relief par l'arrière, tout simplement. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour à nouveau. Alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon, après avoir fait vos 5 dernières mailles de séparation, on va fermer ici dans le haut de notre maille avec une maille coulée. Là, vous avez déjà un aperçu de l'effet que ça fait du fait qu'on travaille les brides en relief. Alors pour le prochain tour qui sera
facile comme ce qu'on vient de faire. On va de nouveau tourner notre travail parce qu'on va de nouveau démarrer de là. On va donc avancer avec des mailles coulées. On va de nouveau tourner notre travail. On va faire exactement la même chose qu'on a fait au tour précédent, sauf que on va faire un jeté. On a ici notre première bride. On va de nouveau la travailler en relief par l'arrière. Donc on passe bien avec le crochet derrière notre, dans l'espace derrière notre maille. On passe devant notre bride et on ramène. Là, on fait notre bride. Seule chose qui va changer, c'est qu'on va faire une maille de séparation. De nouveau, bride en relief par l'arrière. Une maille de séparation. Bride en relief par l'arrière. Une maille de séparation. C'est ce qu'on va faire sur les 20. Alors, je vous montre déjà l'effet que ça fait. Donc, on a continué à faire des brides en relief par l'arrière avec une maille de séparation. Vous allez voir, il n'a absolument rien de compliqué. Il est un petit peu long. En fonction de la taille que l'on désire, mais il n'est pas compliqué. Ok, donc dès qu'on a fait toutes nos brides, on va dans l'espace. Le seul petit cercle qu'on a, on fait une maille serrée. Vous avez compris que là, on va faire la même chose, un jeté. Ici, on a nos 10 brides en relief par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Une maille de séparation. Donc, on va simplement à nouveau travailler des brides en relief par l'arrière. Seule différence, c'est que cette fois-ci, on met une maille de séparation entre elles. Donc, jusqu'à la dernière. À nouveau, on va dans le cercle suivant, le seul qui nous reste avec une maille serrée. À nouveau, on arrive devant les brides. Donc, dans les brides, on va les retravailler en bride en relief par l'arrière, avec une maille de séparation entre elles, rien d'autre. Donc, je vais simplement, comme vous avez vu que c'est simple, donc c'est pas... C'est simplement vous laisser terminer tout ce tour de la même façon. N'oubliez juste pas, quand vous travaillez vos brides en relief par l'arrière, de mettre une maille de séparation entre elles, c'est tout. Alors quand vous avez fait tout votre tour, pour terminer, donc on va simplement là, entrer dans notre maille et fermer avec une maille coulée. Maintenant, à nouveau, on va devoir revenir sur nos pas, si on peut dire ça comme ça. Ici, on a, je vais essayer de mettre ça comme ça, on a le premier espace qu'on a créé avec les brides et le deuxième, on va venir jusqu'à celui-là. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. Là. Et on va simplement faire des mailles coulées. Donc, à ce stade, à nouveau, on retourne notre travail. On va démarrer ici, on voit du deuxième espace avant la fin. On va faire 8 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller directement dans nos brides. Ici, on va également, donc j'essaie de bien vous montrer, c'est pas évident.
On va passer un espace. On va aller dans le deuxième. Maille serrée. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, mais je vous le dirai après, c'est que là, on a donc terminé nos tours à répétition. Celui qu'on va commencer maintenant, ça va être le tour 1. Ça va être le premier qu'on avait fait au départ. On avait fait un espace de 8 mailles en l'air. Ensuite, on avait fait 3 espaces avec 5. Donc là, on va reprendre le tour 1. Pour ça, donc, je vais vous montrer. On a fait les 8. On va faire 5 maintenant. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va passer un espace. On va dans le deuxième avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace. On va dans le deuxième avec une maille serrée. De nouveau 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace. On va dans le deuxième. Ici, on a donc nos 8 mailles de séparation. Le 8, on a fait un espace avec 8 et on a fait 3 avec 5. Maintenant, que sur ce côté-là et l'autre, on va faire 2 fois 8 mailles de séparation. Donc ici, on va faire 8 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe 1, on va dans le 2. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On passe un, on va dans le deux. Il n'y a que sur ces deux-là, donc ceux qui vont faire les ongles, pardon, où on va faire deux, deux, huit, pardon, je vois, deux, deux, huit. Sur les autres, on va faire différemment. Donc maintenant, là, on va refaire les 3 de 5. Alors 5, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, on va dans le 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, on va dans le 2. Donc là, on a, pour bien voir, on a 3 d'un côté, 3 de 5 d'un côté, 2 de 8 au centre et 3 de 5 de l'autre côté. Donc maintenant, il faut qu'on repasse de l'autre côté avec 8 mailles de séparation. Donc maintenant, on va faire nos 8 mailles de séparation. Là, on arrive sur le motif où il y a nos 10 brides. Alors, j'essaie de vous montrer parce que ce n'est pas évident. On a ici la première bride, l'espace qu'il y a après la première bride. Donc la première bride et l'espace. On a la deuxième bride. On va dans l'espace après la deuxième bride avec une maille serrée. Là, on est reparti pour 5, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On passe 1, on va dans le 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. À nouveau, on va refaire 8 mailles de séparation pour repasser de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, à nouveau, on a, pour ne pas se tromper, parce qu'on peut facilement se tromper, on a la première bride ici, l'espace après la première bride. On a la deuxième bride, l'espace après la deuxième bride, maille serrée. 5 de séparation. 2, 3, 4, 5. On passe 1, on va dans le 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. Donc ici, à nouveau, on est en train de préparer nos espaces pour qu'ensuite on puisse refaire toutes nos brides. Je vais vous remontrer parce que c'est pour passer de l'autre côté. On va faire nos 8 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on compte qu'on a une bride. On va dans l'espace après la deuxième bride. Avec la maille serrée. 2,
3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un, on va dans le 2. Je vais vous remontrer de nouveau sur le celui de 20 brides. Donc, on refait 8 pour passer dans les brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce stade, donc, à nouveau, on passe une, deux brides, on va dans l'espace. Après la deuxième bride, on fait une maille serrée. Donc là, on va faire 5, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. Donc là, on a 8 et 3 fois 5. Ici, comme je vous ai dit, c'est les seuls où on va faire 2 fois les 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe une, on va dans la 2. Et là, on fait pareil. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe une, on va dans la 2. De nouveau, on va continuer avec les 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. Donc ici, dans les ongles, on a exactement la même chose. Je vais essayer de vous montrer, mais je n'ai pas assez de place. Donc ici, dans les ongles, on a exactement la même chose. Ici, autrement, on passe simplement... Là, je cherchais. Donc maintenant, pour continuer, vous avez compris que pour terminer, on va simplement continuer avec... Parce qu'on a fait les deux angles, on n'a plus besoin de trop... Maintenant, tout le reste est très, très simple. On va faire nos 8 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive ici dans les 10 brides. On va passer une, deux brides. On va dans l'espace après la deuxième bride. Pardon, avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. De nouveau, pour passer de l'autre côté, on refait nos 8 mailles de séparation. 8. À nouveau, on passe une, deux brides. On va dans l'espace après la deuxième bride. Et là, vous allez simplement... Donc ça, c'est le premier tour à répétition, celui-là. À chaque fois que vous voudrez faire un tour de plus, ce sera celui-là le premier. Donc là, vous allez simplement terminer le peu qui vous reste en faisant simplement... Donc après avoir fait les 8, on va faire les 5. 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2. Donc maintenant, je laisse terminer le seul motif qui vous reste. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait tout votre tour, après avoir fait vos 5 dernières mailles de séparation, on va simplement entrer. Ici, dans la maille, on voit qu'on avait fait les 8 mailles en l'air. Et on va fermer simplement avec une maille coulée.
Là, on a fini le premier tour à répétition. Le deuxième tour à répétition va être celui où on avait fait les 10 brides dans les espaces de 8 mailles en l'air et les mailles serrées dans les espaces de 5 mailles en l'air. Pour ça, à nouveau, on va d'abord tourner notre travail puisqu'on va de nouveau faire des mailles coulées pour démarrer de cet espace-là. Une. Ok, on retourne à nouveau. Donc maintenant, dans les espaces des 8 mailles en l'air, donc on ne parle pas, dans tous les espaces des 8 mailles en l'air, pardon, tous les espaces des 8 mailles en l'air, on va faire 10 brides à l'intérieur. Alors une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9, 10. On va dans l'espace suivant avec une maille serrée. On va faire nos 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Donc de nouveau, de 3 espaces, on va passer à 2. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Ici, dans chaque angle, on en avait mis 2 de 8. Parce que là, on va faire les augmentations. Bon, à partir de maintenant, dans celui de 8, vous en faites 10 et de l'autre côté, vous en faites 10 également. Donc, 10 brides. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un jeté directement dans le prochain de 8, on va refaire 10. Comme ça, on a nos 20 brides de ce côté-là. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici maintenant, on a de nouveau nos 20 brides. Maintenant, vous avez compris qu'on va de nouveau dans l'espace suivant, avec une maille serrée directement. Que pour passer à l'autre espace, on va faire nos 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Les 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, la maille serrée. À nouveau, on avait 3 espaces, on n'en a plus que 2. On est de nouveau devant nos 8 mailles de séparation. Ben là, vous allez à nouveau simplement faire 10 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau dans l'espace devant, on fait une maille serrée. Vous avez compris que le principe est vraiment très simple. Donc à partir de maintenant, vous allez pour le deuxième tour à répétition. Faire donc les 5 mailles de séparation, la maille serrée dans l'espace. 5 mailles de séparation, la maille serrée. De 3 petits espaces, on va en avoir 2. Dans chaque espace des 8 mailles de séparation, vous allez faire 10 brides à l'intérieur. Ensuite, quand vous allez de nouveau ici arriver dans votre angle, la seule chose qui va changer, c'est qu'on aura 2 de 8. Mais ça ne change pas de problème parce que vous faites 10 dans le premier et 10 dans le deuxième. Sans mailles de séparation, sans rien. Donc ici, au prochain tour, on aura de nouveau nos 20 brides pour pouvoir les travailler en relief. Donc, je vous laisse terminer votre deuxième tour à répétition. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, on va simplement, donc là j'ai fait mes 5 dernières mailles de séparation,
On va aller ici dans la maille. Donc la dernière, on avait fait une maille coulée quand on était de l'autre côté. Et là, on va également faire une maille coulée. Donc là, on a terminé le deuxième tour à répétition. Pour le troisième tour à répétition, là, j'ai déjà bien avancé mon travail parce que il est tellement simple et répétitif que ça avance tout seul. Donc pour le troisième tour à répétition, on tourne notre travail. On va simplement de nouveau avancer avec des mailles coulées. On rentre dans nos mailles. Pour démarrer du centre de cet espace. Là, j'ai trop serré ma maille, mais c'est pas grave. Donc, on maille coulée. Ensuite, on retourne à nouveau notre travail. Le troisième tour à répétition, c'est un jeté. Donc ici, on a un nœud hybride, il ne faut pas se tromper. La première, elle se trouve là. On rentre donc dans l'espace avant. On ressort dans l'espace après, de l'autre côté. On ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. De nouveau, un jeté. On va travailler la bride suivante, mais en passant par derrière. On va simplement travailler des brides en relief par l'arrière. Donc ça, à nouveau, vous allez faire sur toutes vos brides. Vous verrez que c'est vraiment très, très facile à faire. Donc à chaque fois, on rentre dans l'espace avant, en passant par derrière, on passe devant notre bride, on ressort de l'autre côté, on ramène. Et là, on fait la bride. Donc, jusqu'à la dernière. Faites bien attention à ne pas vous tromper. Parce qu'ici, comme au tour précédent, on avait fait une maille serrée, quand on se trompe comme ça, on a l'impression qu'ici, ça fait partie des brides. Ce n'est pas une bride. Donc, ensuite, dans l'espace suivant, espace de 5 mailles de séparation, à chaque fois on va faire une maille serrée. Pour passer dans l'autre espace de 5 mailles de séparation, on va faire 5 mailles de séparation. Donc là on va dans l'espace, on fait une maille serrée. On avait 3 espaces, 2, on se retrouve avec 1. Ensuite, sans maille de séparation, sans rien, on fait un jeté, de nouveau on rentre avant la première en passant par derrière. Et on fait une bride en relief. On va simplement de nouveau travailler chaque bride en bride en relief par l'arrière. Donc jusqu'à la dernière. À nouveau, quand vous aurez terminé vos brides, dans l'espace devant des 5 mailles de séparation, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va refaire les 5 mailles de séparation. 5. Et dans l'espace d'après, de nouveau, une maille serrée. Là, de nouveau, on a nos 10 brides. On va de nouveau les travailler simplement en bride de relief par l'arrière. Donc, ce même procédé, vous allez le répéter jusqu'à la fin du troisième tour. Quand vous allez arriver là, ici justement, dans les pointes, dans les angles plutôt de notre poncho, comme je vous avais dit au tour précédent, donc on a fait 10 brides d'un côté, 10 brides de l'autre. Donc ici, vous allez simplement travailler de nouveau vos brides en relief par l'arrière, tout simplement. Et là, après, vous aurez de nouveau 20 brides en relief ici. Mais je vous laisse continuer jusqu'à cet endroit-là. Je vais quand même vous montrer ici pour être sûr que tout le monde a bien suivi. Quand vous avez simplement répété le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici, donc là où on a les 10 brides d'un côté et les 10 brides de l'autre, on va faire exactement ce qu'on a fait pour les autres. Ça veut dire qu'après avoir fait votre maille serrée, on va simplement travailler nos 20 brides, puisque là il y en a 20, 10 d'un côté et 10 de l'autre, on bride en relief par l'arrière, donc ça ne change pas.
D'habitude, on n'a que des groupes de 10. Là, on va avoir deux groupes de 10, donc 20 brides. Donc là, j'ai fait les 10 d'un côté. Maintenant, je vais simplement passer aux 10 de l'autre. Tout simplement. Donc là, je termine mes 10 de l'autre côté. Jusqu'à la dernière. Et donc là, à nouveau, quand vous avez fait toutes vos brides, on va simplement dans l'espace suivant avec une maille serrée. Les 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. Et ensuite, vous reprenez de nouveau les brides en relief par l'arrière. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour le quatrième et dernier tour à répétition. Quand vous avez répété le même procédé sur tout le tour, pour terminer, donc ici de nouveau, j'ai fait mes 5 dernières mailles de séparation. Et là, je vais aller, donc, on a ici nos 5 mailles de séparation, on avait reculé. Je rentre dans la toute dernière maille du haut. Et là, je ferme donc avec une maille coulée. Hop. Donc maintenant, on va attaquer le quatrième et dernier tour à répétition. Dans tous les cas, on va tourner notre travail. Là, j'ai un peu de peine parce que j'ai vraiment bien avancé. On va de nouveau simplement avancer en maille coulée jusqu'au centre. Donc, quand on a avancé en maille coulée, on va tourner de nouveau notre travail. Là. Pour le quatrième et dernier tour à répétition, on va faire un jeté. On va de nouveau travailler bride en relief sur bride en relief, mais avec une maille de séparation entre elles. Donc, on fait un jeté. Ici, on a notre première bride. Donc, dans l'espace avant, passons par derrière. Et là, donc, on fait notre première bride en relief avec une maille de séparation. Ensuite, on continue. Une maille de séparation. Simplement bride en relief sur bride en relief avec une maille de séparation entre elles. Et ça jusqu'à la dernière. À ce stade, on n'a plus qu'un seul espace devant nous. Donc on va simplement, directement dans l'espace, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait un jeté et là, on va de nouveau reprendre bride en relief sur bride en relief et une maille de séparation entre chaque. Donc ça jusqu'à la fin.
de nouveau devant. Comme on n'a plus qu'un seul espace, on fait une maille serrée. Un jeté et on recommence exactement la même chose. Donc vous verrez que ça va tout seul, puisque les tours à répétition sont vraiment très simples et très faciles à faire. Donc là, vous allez continuer le même procédé. Quand vous allez arriver, on a deux angles pour le poncho, un avant à l'arrière, qui ont cette forme-là. Ben là, vous allez simplement faire la même chose. Ici, après avoir travaillé vos bridons en relief avec une maille de séparation, vous allez faire une maille serrée dans le centre. Directement, vous allez refaire bridon en relief sur bridon en relief avec une maille de séparation. Tout simplement, rien qui change. Sur ce côté comme sur l'autre et partout. C'est à partir de maintenant, c'est exactement le même procédé pour tous les espaces. Donc, je vous laisse terminer votre quatrième et dernier tour à répétition. On se retrouve après. Quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, pour terminer le quatrième tour à répétition, on va simplement... Donc ici, j'ai fait ma dernière bride en relief. On va simplement ici, dans la maille que nous avons devant, la maille serrée, on va terminer avec une maille coulée. Donc ça, les quatre tours qu'on vient de faire, que moi j'ai déjà fait en plusieurs, c'est ce que vous allez répéter le nombre de fois que vous désirez pour la longueur totale de votre poncho. Je vais reprendre avec vous une toute dernière fois les quatre tours. Là, quand vous avez atteint la taille que vous désirez, vous vous arrêtez à ce tour-là, donc le quatrième et dernier. Mais si vous trouvez que ce n'est pas assez long, vous devez reprendre du premier. Donc pour ça, quand vous allez reprendre un nouveau tour, on va reculer, donc on va tourner notre travail. On a ici une, je vais essayer de bien vous montrer parce que ce n'est pas forcément évident. On a ici une et deux brides. On va reculer en maille coulée. À chaque fois pour le premier tour, vous allez reculer en maille coulée. Vous allez passer ces deux brides. On va aller dans l'espace, l'avant-dernier espace. Pour ça, on tourne notre travail. Bon, là, j'arrive presque plus à le tourner. On va simplement entrer dans notre première bride avec une maille coulée. On rentre dans l'espace qui se trouve devant. On n'a pas forcément besoin d'aller dans la maille, ne vous inquiétez pas. Maille coulée. On rentre dans la deuxième bride avec une maille coulée. Et donc dans l'espace après la deuxième bride. Avec une maille coulée. À ce stade, on tourne notre travail. On vérifie bien qu'on est bien dans le... On va entamer à partir de l'avant-dernier espace. Ensuite, pour passer... D'un motif à l'autre motif, on va à chaque fois faire 8 mailles de séparation. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme je vous disais, vous faites les 8 mailles de séparation. Donc ici, quand je parle de motif, là c'est un motif, là c'est un deuxième. Donc pour passer de l'un à l'autre, on fait les 8 mailles de séparation. Ici, de l'autre motif, on voit... Une, deux brides. On va dans l'espace après la deuxième. Donc, une, deux. On va dans l'espace après la deux. On fait une maille serrée. Là, on est de nouveau en train de préparer nos espaces pour pouvoir ensuite mettre nos brides. Donc là, on va faire 5, 2, 3, 4, 5. On passe un espace. On va dans le deuxième. Maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. On passe un espace. On va dans le deuxième. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. Comme pour le premier tour avant, on a un espace de 8 mailles de séparation et 3 espaces de 5 mailles de séparation. De nouveau, on va devoir passer de l'autre côté. Pour ça, à nouveau, on va refaire 8 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau, on compte. On voit ici une, deux brides. On va dans l'espace après la deuxième bride. Maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles de séparation. On passe un espace, on va dans le deuxième. Une, deux, trois, quatre, cinq. On passe un espace, on va dans le deuxième. Donc là, on a une de 8 et deux de 5. Il nous faut encore une de 5. 1, 2, 3, 4, 5.
on passe 1, on va dans 2. De nouveau, on a 3, une, pardon, on a une de 8, 3 de 5. On va repasser l'autre côté avec les 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On regarde à nouveau, on a une, deux brides. Donc la première, elle est là, c'est cache. 2, on va dans l'espace après la 2, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 2, 3, 4, 5. On passe 1, on va dans le 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici dans cet angle, dans le premier angle que vous avez. Parce que vous avez compris que dans les angles, c'est là où on fait les augmentations pour que le poncho puisse justement s'agrandir. Autrement, ce ne sera pas possible. Les augmentations se feront dans chaque angle. Donc, dans cet angle-là et dans l'autre, on va faire exactement à chaque premier tour de répétition la même chose. Donc là, ce procédé-là, je vous laisse continuer jusqu'à ce qu'on arrive. Jusqu'à ce qu'on arrive ici à l'angle. Alors, quand vous avez répété la même chose jusqu'à ce qu'on arrive au premier angle, c'est là où on va, comme je vous disais, donc on va faire les augmentations. Donc à chaque fois que vous serez au premier tour et dans les deux angles, on va devoir faire la même chose. Donc ici, j'ai fait mes dernières 5 mailles de séparation et la maille serrée. Donc là, je ne vais rien changer. Je vais faire mes 8 mailles de séparation pour aller de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 1, 2 brides. Je vais dans l'espace après la deuxième, ça ne change pas non plus. Là, de nouveau, on va refaire 3 groupes de 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. Là, on vient de refaire un groupe de 8 et 3 de 5. Maintenant, ici, on va refaire un autre groupe de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe 1, on va dans le 2. On va refaire un groupe de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe un espace, on va dans le deuxième. Donc, on a fait de nouveau un groupe de 8. Là, on va refaire 3 groupes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. Quand vous serez donc ici dans les angles, c'est la seule chose qui change par rapport à tout le reste, c'est qu'on va maintenir qu'on fait un groupe de 8 et 3 groupes de 5. Quand on arrive, donc quand on a fait nos 3 groupes de 5, on va faire un groupe de 8. Et droit derrière, on va refaire un deuxième groupe de 8. Ensuite, on redescend avec les 3 groupes de 5. C'est la seule chose qui va changer. Et ça, donc, vous allez le faire des deux côtés. Ensuite, vous allez simplement continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc les 8 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on a donc, on passe la première bride, la deuxième, on va dans l'espace après la deuxième et on va recommencer exactement le même procédé. 1 de 8, 1 de 5, on passe un espace, on va dans le 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2. 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le 2. Donc maintenant que vous avez compris, vous avez répété la même chose jusqu'à la fin. Faites juste attention, c'est simplement quand vous arrivez dans l'angle, il y a juste ce petit détail qui change. Comme ça, au tour d'après, de nouveau, ça nous fait les augmentations. Comme ça, votre poncho pourra continuer à s'agrandir. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir répéter jusqu'à la fin de votre tour. Et on va terminer donc le premier tour à répétition. Alors, quand vous avez répété la même chose jusqu'à la fin,
Donc ici, on se retrouve, je me retrouve avec une séparation de 8, 2, 2, 5. Et là, je vais faire donc mes 5 dernières mailles de séparation. Ici, où on avait commencé nos 8 mailles en l'air, on va simplement entrer dans la première et fermer avec une maille coulée. Donc là, on a terminé le premier tour à répétition, celui que vous devez faire à chaque fois que vous voulez donc faire un tour de plus. Pour le deuxième tour à répétition, vous allez à chaque fois tourner votre travail. On va avancer jusqu'à l'intérieur de cet espace-là. Donc on rentre dans la première maille avec une maille coulée. On rentre dans la deuxième avec une maille coulée. Et dans la troisième avec une maille coulée également. Là, on va tourner notre travail à nouveau. Alors peut-être que là, cet endroit-là, si vous désirez, vous pouvez mettre un petit repère pour vous. Savoir que c'est ici où on a commencé, parce que parfois ça se peut, quand on arrive ici, on ne sache plus trop où on en est. Donc au pire, vous pouvez mettre un repère à chaque fois. Ensuite, donc, dans tous les espaces des 8 mailles de séparation, on va faire 10 brides. Dans tous les espaces des 8 mailles de séparation. Donc on fait un jeté, on va directement dans l'espace, et là on va faire donc nos 10 premières brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, à chaque fois, dans le premier espace que nous avons devant nous, on va simplement faire une maille serrée. Ensuite, pour passer à l'espace suivant, on va faire 5 mailles de séparation. On va dans l'espace suivant avec une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. On avait 3 espaces de 5 mailles de séparation. À ce tour-là, on n'en a plus que 2. Ensuite, de nouveau, directement dans l'espace des 8 mailles en l'air. Et là, on recommence, on fait simplement 10 brides à l'intérieur. 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. 4, 5, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, espace suivant, maille serrée. Dans l'espace devant, on va refaire du bris. Donc ce procédé, vous allez le répéter. Jusqu'à la fin du tour, plutôt jusqu'à la fin du deuxième tour, quand vous allez arriver ici dans les angles, comme je vous ai dit, vous allez donc ici, d'abord, remplir l'espace des 8 mailles de séparation avec 10 brides, ça ne change pas. Faire la maille serrée juste devant. Faire vos 5 mailles de séparation, la maille serrée. 5 mailles de séparation, la maille serrée. Ensuite, directement, dans le premier espace des 8 mailles de séparation, vous allez faire 10 brides. Quand vous avez fait vos 10 brides dans cet espace, vous allez ensuite après direct et vous faites 10 brides de plus. Comme je vous disais, à partir de maintenant, dans tous les espaces des 8 mailles de séparation, on va faire 10 brides. Ensuite, vous allez continuer le procédé de la même façon jusqu'à arriver à l'autre angle. Vous allez faire exactement la même chose. Quand on a répété le même procédé sur tout notre tour, donc ici, on a le petit repère qui n'est pas une mauvaise idée. Donc, on sait qu'à cet endroit-là, c'est là où on a commencé, donc c'est là où on va terminer. Donc, on retire. Et on va terminer donc avec une maille coulée. On vient de terminer le deuxième tour à répétition. Vous allez voir, je suis sûre que vous avez déjà, tous les autres tours, vous les avez déjà bien imprimés. Alors, pour le troisième tour à répétition, on tourne. On va simplement entrer dans nos mailles de séparation jusqu'à arriver au centre. Donc, on avance avec des mailles coulées, enfin, plutôt en recul. On tourne. Donc, à nouveau, c'est vrai que c'est pratique d'avoir le petit repère quand on arrive. Savoir que c'est ici qu'on a commencé. Donc pour le troisième tour à répétition, pour réaliser ce poncho au cap, on va faire un jeté.
On a ici nos premières brides, donc on va simplement refaire des brides en relief par l'arrière. Brides en relief par l'arrière, de nouveau. Jusqu'à la dernière, bien sûr. Ok. Ensuite, de nouveau, dans le premier espace des 5 mailles de séparation, on va simplement faire une maille serrée à l'intérieur. On va faire les 5 mailles de séparation. On va aller dans notre prochain espace, on va faire une maille serrée. On avait 3 espaces au départ, 2, ensuite là, on n'en a plus qu'un. De nouveau, sans mailles de séparation, sans rien du tout. On va simplement recommencer à faire une bride dans chaque bride, simplement on la fait en relief par l'arrière. Rien de plus. De nouveau, devant, dans l'espace, on fait une simple maille serrée. 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Là, vous allez reprendre exactement le même procédé jusqu'à la fin du troisième tour. Vous avez compris, quand vous allez arriver ici dans les angles, dans les deux angles, ça ne change rien, le procédé reste le même. Ici, vous allez faire vos 10 brides en relief par l'arrière, faire les autres 10 brides en relief par l'arrière juste devant, sans mailles de séparation, sans rien du tout, et continuer le même procédé jusqu'à la fin du troisième. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, on va de nouveau terminer ici, donc là où on a mis notre repère, avec une maille coulée. Là, donc, on a terminé le troisième tour à répétition. Donc, vous avez compris qu'on va attaquer le quatrième et dernier tour à répétition et qu'ensuite, je vous laisserai faire. Donc, pour reprendre, on va reprendre de la même façon. On va tourner. On va simplement donc avancer en maille coulée jusqu'au centre de nos mailles. À ce stade, on tourne à nouveau notre travail. Là, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée de mettre un petit repère. Alors, pour le quatrième et dernier tour à répétition, on fait un jeté. On va retravailler nos brides en relief par l'arrière. Sauf que cette fois-ci, on fait une maille de séparation entre chaque. Donc, une bride en relief par l'arrière dans chaque bride en relief, avec une maille de séparation entre elles, tout simplement. Jusqu'à la dernière. Voilà. Ensuite, quand on a travaillé toutes nos brides en relief avec une maille de séparation, à ce stade, il ne vous reste plus qu'un seul espace. Donc là, vous allez simplement directement à l'intérieur avec une maille serrée. Un jeté, de nouveau, on a des brides. On va retravailler nos brides en relief par l'arrière avec une maille de séparation entre elles, tout simplement. Pour ce quatrième et dernier tour à répétition, on va simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin du tour, tout simplement. Ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent sur les autres. Chaque fois qu'on a fait ce tour, on ne fait que le répéter. Voilà. Et jusqu'à la dernière. Ensuite, de nouveau, il ne vous reste qu'un seul espace, donc vous faites votre maille serrée. Un jeté et vous reprenez.
Et donc ça, vous allez le faire sur tout votre tour. Ici, on va arriver, pardon, là, dans l'angle. Dans l'angle, vous allez faire ce que vous êtes en train de faire là. Ça veut dire que vous allez faire vos 10 brides en relief par l'arrière avec une maille de séparation et faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, pardon, 10, non, 20. Ici, à ce stade, on a 20 brides. Donc là, vous allez simplement faire une bride en relief dans chaque bride en relief avec une maille de séparation entre elles. Donc là, vous allez faire les 20 de suite. Ensuite, vous reprenez la maille serrée. Vous reprenez les brides en relief par l'arrière avec une maille de séparation et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez pour avoir donc la longueur que vous désirez pour votre poncho ou pour votre cape. Moi, comme je suis partie plus sur une cape qu'un poncho, donc je vais faire moins de tours parce que c'est, voilà, c'est ce que je, l'idée que j'ai en tête. Vous désirez faire 20 tours, 30 tours, c'est vraiment en fonction de la longueur que vous désirez. Vous allez répéter le 1, 2, 3, 4. Et là, quand vous avez fini le quatrième tour et que la longueur vous plaît, ben vous avez terminé. Donc, je vous laisse continuer ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve alors. Quand vous avez fait le nombre de tours désirés, ça vous donne ce magnifique résultat. Et avec ce coloris de Katia, elle est vraiment, vraiment superbe. Bien entendu, vous pouvez rajouter des franges. Mais personnellement, comme je ne suis pas adepte des franges, je n'en ai pas rajouté, mais vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment, le modèle est vraiment superbe, très facile et très rapide à faire. Alors voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.